Bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Digimon World 2003. La dernière fois on s'était quitté assez brutalement parce que tout bonnement j'étais complètement crevé et j'avais pas mangé depuis le midi et il était tard je pense. Donc je me sentais pas très bien. Et donc là maintenant nous allons continuer notre partie avec un petit temps de chargement. Voilà, pendant que nous sommes en temps de chargement, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire si tu vas bien. Et à mettre un petit pouce bleu bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Le premier épisode de Digimon a atteint les 50 vues, donc c'est cool de voir que ça vous plaît, et que même sur YouTube, il y a des gens qui regardent. J'espère que c'est vraiment chouette. Voilà. Là, du coup, voilà, il vous reste encore quelques instants afin de mettre un petit like, hein, vous avez tout votre temps. Et là, voilà, on est parti. Donc si je me souviens bien, la dernière fois, il était tard presque crapaud, évidemment. Évidemment. Donc la dernière fois, on explorait le monde à la recherche d'Etemon, parce qu'il avait volé le masque de Sepikmon, je crois. Du coup, je crois qu'on avait fouillé. On avait peut-être pas genre fouillé sur la plage et à Asuka City, je sais plus, mais dans le doute, on va y retourner. Et d'ailleurs, oui, on avait bien avancé l'entraînement de nos Digimon. J'ai spoilé. Ah merde, j'ai dit que c'était Etemon, mince! Justement, je me suis rappelé en me disant, ouais, c'est vrai que... Enfin, je me suis rappelé de l'énigme pour me dire, ok, c'était bien Etemon. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas dit que c'était lui. Ah, merde. Bon, bah tant pis, hein, désolé YouTube, je vous ai spoilé quel était le Digimon. Et du coup, ouais, donc on avait fait de l'entraînement, et notamment, on avait donc Ekotemon qui pouvait se digivolver en Exvimon, Renamon qui pouvait se digivolver en Stingmon, bon, cela m'intéresse pas spécialement. Et surtout, ouais, Patamon qui peut se digivolver en Angewomon, et ça, c'est quand même vachement stylé. Quand même vachement cool. Ah oui, donc okay. Que je regarde un peu la durée de l'épisode, hein, que j'essaie de couper au bon moment. Non, c'est pas toi. Également, on n'oubliera pas de parler deux fois à tous les personnages, histoire de pouvoir faire des combats contre eux. Ça peut être bien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? L'épisode 4 de... Comment s'appelle ce film? Non, cette série. La fameuse WandaVision. Très très bien. Cette série est vraiment trop chouette. Ce soir, il y a eu les jeux nommés pour l'As d'Or 2020. Qui est un prix pour le jeu de société. Qui est décerné au Festival de Cannes. Festival de Cannes du jeu de société en temps normal. Mais du coup, cette année, le festival n'aura pas lieu. Mais il y aura quand même la remise des prix. Donc les jeux nommés ont été révélés. J'ai joué à assez peu de jeux cette année à cause, bon, je sais pas, d'une petite pandémie mondiale, hein, éventuellement. Mais en vrai, il y a quand même des jeux cool. Il y a rien qui m'avait spécialement attiré l'œil du fait de pas avoir joué. Mais là, du coup, en regardant un peu plus en détail ce qui a été proposé, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt cool. Dans l'épisode, on avait vu Sepikmon à côté d'Asuka City. Il nous a dit qu'il avait retrouvé son masque. Du coup, il nous a envoyé bouler en disant qu'il ne nous aiderait pas à nous débarrasser de Zandamon, qui nous empêche d'atteindre la ville du secteur sud. Putain, incroyable résumé, Mysteria. Et du coup, vous avez quasiment le message en entier sur YouTube, donc potentiellement, vous pouvez le lire correctement. Mais du coup, on avait vu Sepikmon à côté d'Asuka City et c'était un bâtard, donc potentiellement, en fait, il est encore dans le coin. J'ai vu... Ouais, on l'avait vu. Ah bon, on l'avait vu par là, je crois. On l'avait vu, genre, par ici. Ouais, genre, c'était du côté du centre, je sais plus. Je sais plus où il était. Je sais plus du tout. Je n'en ai aucun souvenir. Bon, on verra. On va fouiller à Asuka City, en tout bonnement, je pense que... Il y a quand même moyen qu'il soit là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il était à droite de la porte d'entrée d'Asuka. Ah oui, c'est vrai, oui, à côté, oui. Je vois exactement, oui. Ah oui, donc en fait, il était même pas, ouais, genre dans la zone à côté d'Asuka, il était vraiment à l'entrée, quoi. Bon, donc en fait, oui, il était par ici. Donc il est plus là, c'est ça, oui, il est plus là. Bon, on va rentrer, on va fouiller, on verra bien. Et du coup, là, vous voyez, YouTube, il y a une petite émote sub, donc qui est, on va dire, une première version, en attendant d'avoir mieux. J'espère que ça pourra, fonctionner correctement. On avait également retrouvé la carte Gabimon du gamin qui a dit que... Ah oui, si on voulait des Arboribots, il fallait retrouver Vimon. Ah oui, c'est vrai. Il nous avait pas donné plus de détails. C'est juste, trouve Vimon, et puis voilà. On avait débloqué le marché noir. Le marché noir d'Asuka City. Et...
Ah oui, il a commencé à réunir les composants. Ouais. Ça, je me souviens, on avait la canne à pêche. Salut, je sais pas quoi mettre. Nous allons jouer à Digimon World 2003, comme tu peux le voir. Enfin, nous sommes en train d'y jouer. Et j'espère que tout va bien se passer, qu'on va pas trop galérer dans les phases de recherche. Et que les combats seront pas trop durs. Et du coup, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Dem nous a dit que Vimon aimait les endroits bondés du style des bars. Ah! J'avais complètement oublié. Typiquement, c'est le genre de truc qu'il faudrait que je me note. Hein. En plus, genre, j'ai des crayons à côté de moi et j'ai les post-it. Ah, j'ai vu un Vimon l'autre jour, il cherchait quelque chose dans la prairie des vents. Ah bah voilà. Parfait. Donc, prairie des vents, on est juste à côté. Donc, on pourra aller voir ça. Où est-ce que je suis pas allé? Je suis pas allé dans le magasin, je crois. Non mais dans le marché noir je pense pas qu'il y soit parce qu'il faut être capable de le débloquer. Il a pas l'air d'être par là. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On n'a pas vu les égouts. J'étais peut-être pas obligé de passer par le resto grill pour y aller. J'aurais pu juste passer par l'auberge. Et du coup, je sais pas quoi mettre, hein, si jamais tu connais pas le... Non c'était juste à côté, je suis un peu bête. Si jamais tu connais pas le jeu, n'hésite pas à... Enfin, qu'il y a des trucs que tu comprends pas, n'hésite pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Et si j'y arrive pas, je pense que Mysteria aura clairement le niveau pour y arriver. Enfin, pour te répondre. Là, je mets toute la pression sur les épaules de Mysteria. Là, je suis content mais dégoûté à la fois. Hier, j'ai fait tomber Flamio en 32, et là, je suis à 9000 œufs pour Brindibou. 9000 œufs en Masuda? C'est beaucoup, quand même. Attends, en Masuda... Masuda, c'est une chance sur 800. Ah, t'as le charme promo ou pas? Jack est vraiment rentré dans le monde réel? C'est ce que m'a dit ses Pikmon. Jack? Ah bah, tiens. Ses Pikmon est parti vers le lac d'Hivermon. Quel nul. Dommage que je sois du même type de Digimon que lui. Vers le lac d'Hivermon, d'accord. Ok, bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça, mais ça m'a l'air un peu louche comme truc. Et du coup, maintenant, Brindibou. Brindibou, moi, sur Pokémon Lune, je l'avais fait, mais pas en Masuda. Je l'avais fait par œuf, mais en œuf, 1 sur 4096. Et je sais plus, j'avais dû... Ah, je crois que j'avais pas compté. J'avais dû en faire, mais... Oh. Non, en vrai, je sais plus. Oh, t'as le charme, du coup, t'as 18... Ah non, c'est pas 18 fois le taux avec le charme chroma. C'est 7 fois le taux avec le charme chroma. En fait, c'est pas le lac d'Hivermon. Putain, c'est logique en fait. Etemon, Hivermon, tout est logique. Sûrement... Ouais, c'est ça, c'est sûrement le contraire. En fait, les chances sont pas multipliées avec. Si tu mets le charme chroma plus le. Plus le. Comment ça s'appelle? C'est quoi la prairie des vents déjà? Ah oui, non, c'est. Bah, c'est dans le coin du lac d'Hivermon en fait. Ça multiplie pas les chances, ouais, quand t'as le charme chroma et la méthode Masuda. En fait. De base, quand tu rencontres un Pokémon, t'as, on va dire, un numéro qui est généré, ce qui s'appelle le PID, et c'est ce qui va permettre de savoir si un Pokémon est shiny ou pas. Et de base, en gros, imagine ton PID, c'est une valeur entre 1 et 4096. Et du coup, si c'est 1, le Pokémon est shiny, si c'est toutes les autres valeurs, il est pas shiny. C'est pas une valeur entre 1 et 4096, mais c'est le même principe. Si jamais t'as le Charme Chroma, du coup, au lieu de générer une valeur, il y en aura 3 de générer. Et si jamais parmi ces 3 valeurs, il y a un Pokémon Shiny, enfin, il y a le numéro qui correspond au Shiny, ce sera cette valeur-là qui sera prise, et du coup, le Pokémon sera Shiny. Donc ça, on est bon là-dessus. Et en fait, c'est pas que ça multiplie par 3 les chances, c'est que ça ajoute 2 nombres, au lieu d'en avoir qu'un seul. Au final, ça multiplie par 3, mais ça ajoute 2 nombres. Et quand tu fais de la Masuda, au lieu d'ajouter... Enfin, au lieu d'avoir un nombre, tu vas en avoir 4 de plus qui vont être générés, donc ça t'en fait 5 au total. Donc si tu fais la Masuda plus le Charme Chroma ça t'ajoute 2 nombres, et la Masuda ça t'en ajoute 4, donc au final ça te fait 7 valeurs générées, donc en fait ça multiplie par 7 les chances d'avoir un Shiny. À 500 et quelques, mais 9, 4, 18 fois le taux. Ah oui, non, d'accord, pardon, ok, c'était pas le... C'était pas, oui, je pensais 18 fois le taux, je pensais que c'était que 18... T'avais multiplié... Enfin, t'avais...
que tu divisais. Enfin, comment dire, je vais pas y arriver, hein. Que tu faisais diviser par 18 pour connaître ta chance d'avoir un shiny. Mais du coup, oui, je vois. Oui, c'est vrai que du coup, ça fait beau. Enfin, c'est pas impossible, mais il y a peu de chances que ça arrive. Du coup, 583, bah, c'est 4096 divisé par 7. Donc 583, attends. 500 x 7, ça fait 3500. 80 x 7, ça fait 560. Donc là, ça fait 4060. 3 x 7, 21. Donc ça fait 4081. Donc c'est un chouïa plus que 583. Le compte est bon. Je pense que Bertrand Renard aurait été fier. Merci, Lolis Justice, pour ton follow. Bienvenue à toi. Et je sais pas si tu connais Digimon World, mais enfin Digimon World 2003, mais du coup n'hésite pas à poser des questions si tu ne connais pas le jeu et qu'il y a des trucs que tu ne comprends pas. D'ailleurs trop marrant, j'ai vu, c'est qui ? C'est pas Ponce qui a joué à Digimon World, le premier Digimon World récemment sur Twitch. C'est assez ouf. J'ai lancé une mode, incroyable. Ouais, c'est un RPG PS1 grosso modo, rien de très original. Bah à part le fait que c'est un RPG Digimon. Après t'as des... T'as des éléments de gameplay avec les... Ah non, c'est DFG, pardon, ouais. T'as des éléments de gameplay avec les digivolutions et des stats particulières, mais ouais, grosso modo, c'est... ça ressemble un peu à Pokémon, quoi. Dans l'idée. Mais tu as compris le principal. Ah, ça faisait un moment qu'il voulait faire, mais je regarde pas du tout DFG. Je crois que DFG, le... J'ai dû regarder quelques streams de l'époque où il est arrivé sur Eclipsia. Ce qui me dégoûte, c'est de savoir que derrière il faudrait que t'en refasses deux. Ah bah ouais, mais bon, c'est à dire qu'une fois que t'auras réussi à faire ça, t'auras beaucoup plus. Enfin, ça t'arrivera normalement plus jamais. Déjà, c'est très rare que ça arrive. Ce serait quand même vraiment pas de bol. Enfin, ce serait Hot Junior 49, pardon, que ça t'arrive à nouveau. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et oui, du coup, ouais, non, DFG, ouais, j'avais dû voir quelques streams, ouais, quand ils faisaient du League of Legends support sur Eclipsia à l'époque où il arrivait en nocturne. Et sinon, je crois que je l'ai vu, bah, je l'ai vu quand il avait fait le Twitch Rivals avec Shishayu, Aeterna et Fukiano sur Stardew Valley. Mais c'est vrai que sinon, j'ai jamais trop regardé ce qu'il faisait, mais globalement, j'aimais bien ce qu'il faisait. Enfin, je l'aimais bien en stream, quoi. Ah, il y a quelque chose est coincé dans ma gorge. Je t'en prie, enlève-le. Ah, c'est un crochet. Merci, c'est mieux. J'avais un asticot rouge de coincé. J'en ai pas besoin, prends-le à plus tard. Oh. Sel, c'est quoi ça? Vipeza, Cazelle, c'est quoi? Ah, mais c'est un... Oui, c'est un bac à bout. D'accord, je connais pas Vipeza, mais j'imagine que du coup, c'est un streamer ou une streameuse... Ah non, île de duel pour faire des combats de cartes. Non, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, ouais, qui joue à Pokémon. A priori, qui fait du Shiny Hunting, vu qu'il y a un bac à bout Shiny. Ok, donc là, on est au lac d'Hivermon. Et donc, apparemment, il y aurait un Sepikmon dans le coin. Ah! On a un homme mystérieux. On ne sait pas qui c'est. Mais il a un costume, il a un chapeau. Ça m'a l'air louche. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Est-ce que c'est lui le méchant? 2 éléments sur 3 pour la canne. Ouais, j'imagine bien que l'astico du coup c'était ça. Ok, tout est normal. Oh ouais, hey, qui es-tu? Arrête de me tourner autour, tu m'as fait peur. Ah, je suis désolé monsieur. Je suis pas vieux. Je m'appelle Nick et j'ai 21 ans. Nick. Oh ah, oui, désolé. Je vais boire de l'eau. Mais il n'y a que des gens grossiers sur ce serveur. D'abord Etemon et maintenant toi. Etemon, que s'est-il passé? J'ai trouvé ce gros bouclier tape à l'œil. Etemon est arrivé et a dit que c'était à lui. Et il me l'a repris sans même me dire merci. Etemon, un bouclier tape à l'œil? Je me demande de quoi il s'agit. Ah, je me demande vraiment bien de quoi il peut s'agir aussi. Hein. Hey, je suis occupé, moi, alors... Nick, 21 ans, c'est fini. Putain, oui. Il s'est camouflé.
Sinon, tu Shiny... Ah oui, alors on a fait quelques streams de Shiny Hunt. On a fait quelques streams de Shiny Hunt, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On faisait du Shiny Hunting sur Pokémon Épée en full odds, donc en 1 sur 4096, en lisant des vieux magazines de jeux vidéo. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas fait, faudrait peut-être qu'on s'en refasse un petit un de ces jours. Monsieur, hein, je ne suis pas vieux, typique traduction terrible du japonais. Ah, c'est... ok. C'est... Blop, je vais pas y arriver. Ça donnerait quoi du coup si c'était un peu mieux traduit? Et je suis occupé moi alors. Pourquoi ne font-ils pas leur travail? Si seulement ils faisaient comme moi. De quoi ils parlent? On se fait virer du lac d'Hivermon. Ça c'est la bonne zone de chargement pour faire disparaître le personnage. J'imagine. Tant que je suis là, du coup, je vais aller faire un petit tour à la prairie des vents. Normalement, c'est la zone qui est juste après. On va voir si on n'a pas Vimon. Oui, Vimon. La seule sûrement appelée Ojisan. Pas forcément de bonne traduction. Ok, ok. Ah, c'est du coup, oui, d'accord. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, Twitch était tout cassé. Ah merde. Du coup, comme je te disais, ouais, on a fait les streams de Shiny Hunting en 1 sur 4096 sur Pokémon Épée. Et le tout en lisant des vieux magazines de jeux vidéo. Et ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, mais t'as des vidéos sur YouTube, hein, si jamais. Et il faudrait qu'on en refasse un de ces jours, en fait. Pas l'équivalent en français, mais pour le coup, c'est la traduction un peu... Oui, non, mais oui. C'est en disant monsieur, c'est vrai qu'on peut... Il y a le côté un peu vieillissant. Oui, il aurait pu l'appeler papy, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être plus bizarre qu'avec le style original, mais en soi, ça se comprend, enfin, clairement, ça m'a pas choqué non plus. Mais je vois bien ce que tu veux dire. Après, pour le coup, ouais, c'est vrai que je crois que, enfin, il y a quand même des petits trucs en termes de traduction et de grammaire dans le jeu, mais bon, c'est pas... On a vu pire, quoi. Prairie des vents... Ah, quoi? Ah! Ah bah, le jeu qui est cassé, c'est bien ça. Aïe aïe aïe. Le CD est rayé. Ah bah, effectivement, le CD est rayé. Ah yes, ok. Alors attendez, on va réparer ça tout de suite. On va faire une petite sauvegarde rapide. On va redémarrer. Ah, c'était ton bug, ok. Ah bah, à la prochaine, le Lise Justice. Et n'hésite pas à revenir un de ces jours. Ou à comment ça s'appelle? Ou à aller voir des vidéos sur YouTube si jamais ça t'intéresse. Ok, c'est bon. J'ai réussi à régler le problème. Oh! Eh bien, merci pour ton Prime Gaming. Incroyable. Merci beaucoup, du coup, de lâcher ton Prime Gaming, que tu ne laisses pas dormir. Avant de partir, c'est très très gentil. Tu vas pouvoir profiter de magnifiques émotes. Celle-là, qui va arriver un de ces jours, quand Twitch l'aura accepté. Tu seras peut-être modifié d'ici là. Et également un magnifique Solide de Poix avec le petit singe rigolo. C'est joli, il a pris exemple sur mon Twitch. Ah bah oui, je pense que c'est carrément ça. Mais Mysteria nous racontait qu'il avait fait que les zones ne chargeaient pas et qu'il avait dû faire complètement le jeu à l'aveugle à une époque. Du coup, voilà. Ok, c'est bon, on réussit à réparer le bug assez facilement. Je suis vraiment un ingénieur. Mais du coup, j'avais pas eu les problèmes de chargement, mais j'avais déjà eu le... Ah bah voilà Vimon. Mais j'avais déjà eu le problème d'écran noir au lancement d'un combat. Et de pas pouvoir faire quoi que ce soit, de pas pouvoir contrôler, utiliser les menus ou quoi. Et le fait de faire sauvegarde rapide, relancer le jeu et recharger la sauvegarde, ça a réussi à régler le problème. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un moyen de régler le problème et pas juste de quitter le jeu et de revenir à la dernière sauvegarde. Donc attendez, je vais retirer hop, mon ornithorynque de ma tasse de thé. Ok. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Tu veux jouer? Oh non, pas un combat de cartes. Alors on joue à quoi? Ah mais si, parce que les bots c'est pour récupérer des paquets de cartes dans les arbres. Hé hey, Vimon, je veux les Arboribots. Arboribots? Les bots pour shooter dans les arbres? Bien sûr, mais tu dois jouer avec moi. Bien sûr, on joue à quoi? Bah, j'ai perdu, hein, bien sûr. Ah, faut que j'ajoute un son j'ai perdu à la soundboard. Je vais me cacher dans la forêt vive et tu devras me trouver. Si tu me trouves, je te donne les Arboribots. Mais si tu quittes la forêt sans m'avoir trouvé, tu perds. Si tu sors de la forêt vive, je rentre manger à la maison. Le MC est tellement mal poli, ça me tue. Le MC?
J'ai pas la ref. Ah mais la musique c'est... Ah oui c'est ça, bah c'est Calogero, je joue de la musique, oui. Bah c'est exactement ça. Désolé pour le bruit. Oui c'est je joue de la musique que j'ai que j'ai pitché pour que ce soit un peu plus aigu. Parce que j'aime pas cette musique. Ah main character pardon. Oui non mais bon c'est bah, c'est un petit gamin, un petit connard. Mais ouais j'aime pas cette musique et je me disais que c'était une bonne idée de le mettre. Mais au final je me fais striker les vidéos YouTube quand quand y a des gens qui s'abonnent en plein épisode. Donc c'est rigolo. Ok je vais te trouver. Hé, ce sera pas si facile. Compte jusqu'à 10 et viens dans la forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah merde, ok je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais super. C'était trop rapide. Ouais, c'est vrai qu'il est. Bah, il veut racketter des Digimon. Il dit pas bonjour, ouais, je veux les bottes. Cette musique, tu l'avais apprise. Ah ouais? Vous l'aviez chantée en cours? Putain, trop marrant. Putain, en 6ème ou 5ème? Ah là là, du coup, tu es jeune. Tu es jeune, tu es jeune. Parce que, si, parce que la chanson, elle a quoi? Elle a 4-5 ans maximum? Putain, c'est ouf. Attends, est-ce qu'on avait chanté du Calogero? Non, on n'avait pas chanté de Calogero au collège. On avait chanté du Goldman, on avait chanté du Julien Clerc. Je sais plus, je sais plus. Mais ouais, c'est rigolo. Mais bon, en termes de paroles, je crois qu'il y a genre un refrain qui est répété 3 ou 4 fois et genre 2 couplets. Et notamment une phrase très très moche qui est des fois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Vraiment, ça me fait mal de. Vraiment, je trouve la phrase mais tellement moche. Mais bon, voilà. Alors du coup, il n'y a pas de RNG sur cette quête, mais pour la réussir, c'est du pif total. Ah, d'accord. D'accord, bon, on va partir à sa recherche du coup. Quatrième, t'as 1400. Ah bah oui, ok. T'as mis 4 heures la première fois. Combien? Yes. Non mais faut taper dans les arbres. Bon, je vais trouver Vimon et prendre les Arboribots. Je dois prendre garde à ne pas sortir de la forêt vive. Au pire, on sortira de la forêt vive, hein, si jamais on peut. Je vais essayer d'interagir avec tous les arbres. C'est peut-être ça en fait qui a pris 4 heures, c'est que Mysteria a essayé d'interagir avec tous les arbres de la forêt. Et en fait, il est juste posé sur une chaise longue à l'autre bout de la forêt. Et du coup, c'est ça qui a pris 4 heures, c'est de vouloir checker tous les arbres. Mais, ok. Mais du coup, je pensais pas. Enfin, je dis je pensais pas. Non, si, on a. Non, on a quand même des. On a quand même des petits jeunes sur la chaîne. Bon, normalement ça va, on n'est pas. On fait pas partie de. Des streams qui sont trop tendancieux ou quoi. Normalement ça va. On est une chaîne safe et je pense que le contenu est valable pour à peu près tous les âges, grosso modo. Je suis pas trop vulgaire. Normalement ça. En vrai ça va. Plutôt content de ça d'ailleurs. Bon non, enfin si en vrai je vais pouvoir lâcher des putains, des merdes, enfin des voilà des petits mots de liaison. Mais en vrai ça va. Je suis plutôt safe je pense. Ok bon il est pas dans ces arbres là. Si ça se trouve, il faut. Si ça se trouve, c'est. C'est un. Enfin, Vimon est devenu un Digimon de la zone. Et il faut faire des rangs. Et genre, il apparaît dans 1% des combats, et puis voilà. Pas trop vulgaire. Genre, le pas trop, c'est un parfois. Ouais, c'est ça, je suis parfois vulgaire. Ouais, mais tu vois, enfin, tu vois, je suis vulgaire, mais je vais pas insulter les gens, c'est ça que je veux dire. Je sais qu'on est Ultia tier niveau plus. Je regarde pas trop Ultia, mais ouais, je sais pas, je pense. Enfin, du peu que je l'ai eu dans des vidéos avec des gens, ça avait l'air d'être ça. Là, en ce moment, je suis en train de me rattraper là, les vidéos de. Bah, le stream que Lunatic avait organisé sur Codenames. Je trouve ça dingue que les gens jouent à Codenames et que ça devienne un peu hype sur Twitch. Et pareil, là, pour. Enfin, j'ai découvert du coup Gartic Fun, qui est du coup une reprise du jeu de société esquissé. Et je trouve ça tellement bien qu'il y ait des gens qui y jouent. Enfin, c'est. C'est tellement cool comme jeu et c'est bien si ça. Enfin, bon, le jeu a fonctionné, hein, y a pas de souci. Mais s'il peut trouver une deuxième jeunesse, un nouveau public, c'est tellement bien. Mais du coup, non, c'est ça. Je vais pouvoir dire des gros mots, mais je vais pas insulter les mères des gens, quoi. C'est ça que je veux dire.
Mais du coup, non, c'est vrai, je sais même pas à quoi il joue en fait, Ultia. Oh, si, elle doit jouer à Among Us du coup, avec toute la team. Avec toute la team. Mais ouais, non, du peu que j'ai vu, si c'est ça, moi ça me va bien. Je suis content. Ensuite, j'ai fait un Shiny Quest et si oui, alors j'ai jamais fait de Shiny Quest, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a Exakill qui fait ça en ce moment. Dans l'idée, c'est plutôt rigolo, mais je pense que si jamais je le fais, ce serait genre tout seul de mon côté. Je pense pas que. Enfin, Exakill, s'il peut le faire, c'est parce qu'il y a assez de monde qui le suit et du coup il peut interagir facilement. Du coup, je pense pas que je pourrais réussir à le faire en live. Je pense pas que j'ai le niveau pour animer autant. Ou alors sinon, ouais, faudrait vraiment lire des trucs à côté et tout. Mais ça me paraît chaud. Mais du coup, non, en soi, c'est pas mon objectif non plus. T'as déjà fait ça, toi? Je pense c'est très gentil de. C'est pas... Ah bah non, c'est justement, moi je veux pas insulter la merde. Donc du coup, je ne suis pas très gentil. Ou du moins, si je suis pas très gentil, c'est pas à cause de ça. Et bonsoir, Morgane. Du coup, j'ai vu que tu avais terminé de. Enfin, que tu avais rattrapé ton retard, entre guillemets, sur les épisodes de Digimon. Donc du coup, maintenant, tu vas pouvoir tout comprendre. Impeccable. Putain, d'ailleurs, j'ai toujours. Bon, la vidéo du stream existe toujours, mais j'ai toujours pas fait le découpage des. Je vais changer, je vais passer avec. Avec Yulimon. Trier. Qu'est-ce que je racontais, moi, déjà? Ouais, j'ai pas fait le découpage des vidéos pour YouTube. Là, il reste. Bah, il y a un épisode qui est sorti, là, normalement. Et d'ailleurs, le bot sur Discord l'a toujours pas publié. Ce qui est un peu relou, vraiment, je comprends pas et je peux pas spécialement agir dessus. Mais je pense que ça va. Enfin, ça devrait se régler à un moment. Si c'est fait comme pour le Shiny Bot, hein, ce sera assez pareil. Pourquoi nous battons-nous? Ok, c'est pas un Vimon déguisé. Mais du coup, là, va quand même falloir que je prépare les vidéos parce qu'il y en aura besoin pendant 2 jours. Bah non, je vais pas tout comprendre, il me manque les 47 minutes que t'as loupé. Ah, on a trouvé Etemon qui nous a dit ouais, c'est Pikmon, il est là-bas. On a rencontré un mec. Et en fait, c'est Etemon qui avait pris le masque de ces Pikmon. Du coup, faut qu'on retourne voir Etemon pour récupérer le masque. Et là, du coup, en fait, Vimon, on est en train de jouer à cache-cache avec Vimon dans la forêt. T'allais te faire une assiette, t'as raté un truc. T'as raté 3 shiny. Ah non, c'est pas. Merde, c'est pas le bon jeu. Non, on est en train de chercher Vimon. Là, je suis en train d'essayer de checker tous les arbres. Mais du coup, je sais pas si potentiellement il peut être caché dans un arbre ou pas. Et là, tu es où? Je suis dans la forêt vive. Et du coup, si on sort de la forêt vive, on a perdu. J'ai perdu. Et on doit trouver Vimon pour qu'il nous file les arboribots. Pour qu'on puisse du coup taper dans les arbres. Autant pour voir, mais tu dois attendre qu'il s'affile pour commencer quand on est bien récupéré. Ah, ok, bah stylé. Mais je pense que ouais, ça peut être stylé de le faire à plusieurs. Typiquement, faire du shiny hunting avec quelqu'un, genre en physique, j'ai jamais fait. Je l'ai fait en regardant des streams de shiny hunting. Et j'imagine que ça doit être plutôt cool. La forêt vive, c'est à côté du lac d'Ivermon. Genre avant d'arriver à Serious City. Non, non, c'est dans la région est, hein, t'inquiète. T'as raté un avion qui a dansé la samba sur la tour de Pise. T'as raté ça aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser parce que ça m'a. Je suis encore sous le choc de l'avoir vu. Donc je me dis que. Enfin, j'ai encore un peu de mal à en parler. Mais oui, c'est vrai que c'est arrivé. Donc là, si je vais dans la gare, j'imagine que j'ai perdu. Ah! J'ai senti que quand je bougeais, je butais sur quelque chose. Le seul indice que je vais te donner, c'est quand tu vas le trouver, tu vas dire « Oh bordel, c'était si con !» Bah voilà. Oups, tu m'as trouvé. Bon, ça va. Quoi? Pourquoi? Hein? Comment ça, Agumon? Hé, désolé, je suis Agumon. Vimon se cache ailleurs. Bon bah d'accord. Bon bah déjà, on a une petite idée de ce qu'il faut faire. Bon déjà, il n'y a pas besoin de checker tous les arbres, mais par contre, il faut juste se balader et... Bon, putain, j'ai voulu y croire. Hein. Du coup, j'imagine que Mystère, tu t'es bien foutu de ma gueule en disant « Haha, il croit qu'il a trouvé, mais en fait, non. » Non mais ok, bon déjà, on a un ordre d'idée de ce qu'il faut faire. Pas de chance, la princesse est dans un autre château. Ah, c'est ça, princesse Vimon. Ouais, du coup, en gros, faut fouiller, ouais, le... Genre, typiquement, ouais, il pourrait être par là. Genre, faut regarder les arbres, où peut vraiment y avoir des trucs cachés derrière. Genre, celui-là, ça m'étonnerait... Ah! Ah non, c'était juste un tronc d'arbre. C'est vrai que c'est une... Ouais, c'est ça. Putain. Je suis quand même allé regarder par là, on n'y est pas encore allé.
Mais en fait, c'est ce que je disais, bah, du coup, au moment où t'as dû partir, c'est que là, je checkais tous les arbres et c'est ça. Et vu le nombre qu'il y a et vu la taille de la zone, c'est pour ça que ça t'a pris 4 heures. En fait, Vimon, il était juste posé sur une chaise à l'autre bout de la forêt. Ça se trouve, en fait, si ça se trouve, il était pas du tout caché. Ça aurait été possible. Ah, sinon, entre-temps, enfin, depuis le dernier stream, j'ai normalement terminé. Peut-être que je corrige un ou deux trucs, une ou deux tournures de phrases, mais normalement j'ai terminé le texte de mon troisième podcast. Enfin, il serait temps. Donc faut que j'envoie ça à l'auteur pour qu'il me corrige, pour me dire si j'ai. Enfin, pour être sûr que j'ai pas dit de bêtises. Et du coup, je pourrais ensuite l'enregistrer et faire ça, et du coup, ensuite passer au quatrième. On va falloir que là je me remette dans un travail de recherche et tout. Mais c'est chouette, c'est chouette. En fait, je pense que l'erreur que j'avais faite, c'est de vouloir faire un peu tout à l'arrache. En mode, au départ, je me disais que 2 semaines pour préparer un épisode, c'était faisable en termes de temps et tout ça. Sauf que j'ai vraiment du mal à me mettre à bosser. Pas spécialement étonnant. Mais en fait, j'avais pas vraiment voulu faire de planning. Alors que là, par exemple, si j'essaie de me dire, bah, je me fixe un planning genre d'un mois sur un mois pour faire un épisode, genre première semaine, je réécoute l'interview avec l'auteur et où je prends mes notes. Deuxième semaine, j'écris. Troisième semaine, Oh! J'ai eu peur. Et voilà, du coup, Morgane, tu as découvert les nouvelles fonctionnalités. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? La nouvelle fonctionnalité. Merde, merde, merde. Ouais, genre deuxième semaine, du coup, je rédige mon texte. Troisième semaine, je l'envoie à l'auteur et j'attends le. Et j'attends sa réponse pour savoir si c'est des conneries ou pas. Éventuellement, même je commence à préparer un peu des visuels, des miniatures YouTube et tout ça. Et quatrième semaine, je tourne, je monte. Enfin, j'enregistre, je monte et je publie. Un truc comme ça, je pense que ça peut se faire. C'est quoi la suite de Golden Sun en live? Peut-être demain soir si j'ai pas la flemme? Peut-être. Mais ouais, va falloir qu'on avance. Parce que c'est vrai que bah, ça va faire 2 semaines. Enfin, ça fait 1 semaine et demie quoi depuis la dernière fois. Bah, t'as déjà gaspillé tes 10 000 points. Ah merde. Tu les as pas gaspillés. Tu as pu utiliser des magnifiques sons. Mais je suis content du coup, ça. Je suis content que ça marche. Bon, c'était pas très difficile à configurer. Merci à Six Dogs hein, qui m'a filé les bons liens. Faut que tu rééconomises. Eh ben oui. Enfin, même plus exactement, merci à Narvaya qui a filé les liens à Six Dogs qui me les a filés. Ah, il est peut-être caché par là? Non. Ça se trouve, il est vraiment juste à l'entrée de la forêt. Mais non, mais du coup, je suis content pour le podcast. Si je peux réussir à faire un truc un peu. Enfin, si je peux réussir à être un minimum régulier, ce serait cool. Genre me dire 2021, au moins j'atteins le 10e épisode, quoi. Déjà, je réussis à faire ça, ce serait bien. Après, déjà, normalement, j'ai de quoi faire un 4e épisode derrière, avec les interviews que j'avais déjà. J'ai des auteurs que je vais essayer de relancer. Il y en a d'autres que j'ai jamais contactés, que je vais essayer de contacter. Pour essayer de justement de pouvoir discuter avec eux. Tu parais que dans 10 minutes tu l'as trouvé. Bah j'espère, hein. J'espère, j'espère. Et c'était quoi l'autre truc? Et après aussi il y a des carnets d'auteurs en fait, donc en grosso modo ce que je veux faire en podcast, mais qui sont déjà écrits par des auteurs sur internet sous format texte. Et du coup en gros le but ce serait que je les récupère, que je les condense et que pareil je les envoie aux auteurs pour vérifier si ça fonctionne. Enfin si c'est bon ou pas. Ça finit en octogone sans règle. Ah ton Twitch il casse encore. Ah merde. Ah bah voilà. Ah non, Agumon encore. Peux-tu trouver Vimon? Bonne chance. Mais quel bâtard. Mais Twitch est cassé ou c'est juste chez toi? Parce que ça arrive que Twitch ait des petites merdes. Hein. Mais voilà. D'ailleurs, sur je sais plus quel stream. Ah, si, je crois que c'était Shishayu qui avait fait une espèce de blind test de musique de jeu vidéo. Et il y avait le thème de combat de Golden Sun qui était arrivé. Et immédiatement, ça m'a. J'étais à fond et je me dis putain, c'est vrai que les musiques du jeu elles sont incroyables. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je pense qu'elle m'avait quand même marqué à l'époque, mais je les avais oubliées. Je pense que déjà. Ok. Moi, ça fonctionne pas sur mon ordinateur à cause des lags, alors je suis obligé de regarder sur mon téléphone. Ok. Mais d'accord, mais du coup, c'est pas un problème global de Twitch, a priori. Putain, mais il pouvait pas se cacher dans une zone plus petite ou se cacher moins bien. Non mais au secours.
comme le dirait Casse-Bonbon, au secours! Et du coup, pareil pour le troisième épisode de podcast, je vais essayer de le faire vraiment en vidéo. En gros, le premier épisode, c'était complètement juste du son. Même sur YouTube, c'était que du son. Le deuxième épisode, j'avais ajouté des images de jeu pour que ce soit un peu plus facile pour expliquer. Enfin, et que pour les gens puissent comprendre. Et là, pour le troisième épisode, je vais peut-être essayer de... carrément de filmer et de montrer ma gueule en vidéo. Incroyable. Pour pareil ajouter un petit côté un peu plus dynamique, donc ce sera toujours disponible en podcast hein, sur Spotify, sur Deezer et tout ça. Mais je me dis pour YouTube essayer de bosser un peu la forme, ça pourrait être pas mal. Je me dis que ça peut. Je pense même qu'en termes de référencement, YouTube va plus facilement référencer des vidéos avec du mouvement vraiment, enfin à proprement parler une vidéo plutôt que juste de l'audio. Je pense que ça peut aider un peu. Ah non mais oui, on avait déjà vu Agumon. Mais ça, je vais finir level 50 avant de trouver Vimon. Y a pas moyen d'avoir la même couleur de pseudo à chaque lettre que tu regardes. Normalement, si. Enfin, tu dois genre juste chercher... Normalement, enfin... Sur téléphone, je sais pas si tu peux. Mais normalement, sur le chat sur PC, enfin sur le navigateur, tu vas avoir une espèce d'engrenage ou un truc comme ça pour régler tes paramètres de stream. Et normalement, tu dois pouvoir choisir si t'affiches genre le badge de sub et tout ça. Et aussi pouvoir choisir quelle est la couleur de ton pseudo. Ouais, ça c'est ah oui, c'est l'engrenage sous le chat. En fait, j'ai le chat juste devant moi, j'aurais pu le voir en fait. Mais du coup, je sais pas si c'est disponible sur téléphone ou pas par contre. Putain, ça me gratte le nez. Alors, je pourrais faire une blague avec le fait que ça me gratte le nez parce que juste ici, j'ai un pot de levure. Du coup, je pourrais faire une blague qui serait banned par Twitch. Mais donc, par conséquent, je ne vais pas la faire. Mais vous avez compris l'idée, je pense. Par exemple, si j'avais été Renault, ça aurait pu être un truc que j'aurais pu associer avec un café. Donc là, Morgane, tu es rouge. Alors pourquoi je me suis lancé dans la quête annexe de Vimon là? En début de stream, c'était peut-être pas la meilleure idée, hein. Fallait peut-être mieux juste essayer d'avancer dans l'histoire. Sachant qu'on avait fait des quêtes annexes, je crois, justement, en fin du dernier stream. Enfin, à la fin du dernier stream, si j'essaie de parler un peu correctement. Ah, mais j'aimerais bien que ça me prenne pas 4 heures, en fait. Ah! Oups, tu m'as trouvé! Oh, bah, ok. Ah, mais en plus, j'étais vraiment sur un bord, donc c'était compliqué à détecter. Bon, ça va. T'es sur téléphone, voir si quand je change de couleur. Ok. Bah a priori oui. Oups, je m'ai trouvé. Ok, je vais donner les arboribots promises. Après, il y a moyen peut-être que des fois tu sois pas de la même couleur, genre ici. Mais c'est... Je sais pas trop comment c'est... Enfin, sur quoi c'est basé. Et oui, je suis impressionné. Tiens, prends les arboribots. Putain, incroyable. Bien, merci Vimon. Oui, j'ai les arboribots. Ah, il a quand même dit merci. Hein. Content pour toi, bon, casse-toi, je vais manger. On rejouera un de ces quatre, à plus tard. T'as pas la même couleur entre ton ordinateur et ton téléphone. C'est peut-être parce que d'un côté, t'as le fond de... Enfin, t'as le... Comment dire? T'es sur fond blanc et sur l'autre, t'es sur fond sombre. Et du coup, là, maintenant, regardez, on peut taper. Oh, des bonnes basses, là. Ouais, non, je vois pas trop l'intérêt. Je sais plus comment ça marche. Peut-être taper un rythme spécial. Non, je crois juste que ça s'affiche d'une certaine manière s'il y a un booster de cartes dedans. Peut-être un son particulier. Oh, je sais plus comment ça marche. J'avais complètement oublié ça. Moi, j'aimerais au moins trouver un booster, quoi. Qu'on se dise qu'on avait les cartes pour quelque chose. Alors en plus, t'as eu un coup de bol monstrueux parce que les autres Digimon cachés ont des pixels qui débordent des arbres et Vimon est le seul qui n'en a pas. Ah oui, merde! Bon, après, j'avais trouvé la bonne stratégie du coup, mais. Là, grosso modo, je me baladais derrière tous les arbres et j'appuyais sur X. Mais j'avais. Enfin, du coup, ouais, j'avais la bonne stratégie. Mais. Mais c'est vrai que, effectivement, il était bien bien tant que. Ça ne dérange pas la Katanex en début de live, ça permet de suivre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne manière. Enfin, une bonne manière de faire les choses.
Après bon, j'ai pas commencé le stream super tôt non plus. Putain. Mysteria, est-ce que tu as une idée de comment fonctionnent les arboribots? Parce que là, je tape dans les arbres et il se passe rien. Est-ce qu'il faut taper à un rythme particulier? Ok, donc ça on l'a fait. Ça c'est bon, donc maintenant faut retourner à Asuka City pour parler à Etemon. En attendant, on va taper des arbres. Il se passe toujours rien. C'est très gênant. Change d'écran et reviens. Quoi? Comment ça? Sur ces arbres-là? Où je pouvais taper les autres et ça aurait pu marcher. Que le fait de les avoir eu sur cet écran fait qu'il y a rien sur cet écran. Ah! Oh bah sinon en fait je vais juste avancer vers Asuka City et taper dans tous les arbres que je trouve. Mais du coup en fait l'affichage là de... transformation en bleu, effectivement. Enfin là du coup... Ah oui bah là t'es en bleu au-dessus de moi et moi je te vois en violet sur le chat. Merde, qu'est-ce que je voulais raconter? Sûrement pas un truc intéressant. Ouais, du coup, l'espèce de radar là ne sert à rien en fait, c'est juste pour faire joli. Il n'y a pas genre un truc qui va s'afficher en mode, un peu plus sur ta droite, tu vas avoir un truc. Ou alors si tu tapes à ce rythme-là, il va se passer quelque chose. Tu vas vite comprendre comment ça fonctionne, t'as pas besoin de demander. Ok, ok. Putain, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Ah merde, bon, c'est un peu mystique hein, Twitch. Twitch ça fonctionne, mais on sait pas comment. Mais ça fonctionne, mais on sait pas comment. Ah. Non, je crois que c'était pas le même bruit que d'habitude. C'est Miss Twitch, exactement. En fait, c'est trop, ils ont juste oublié d'implémenter la fonction. Et du coup, on peut juste taper dans les arbres et ça ne sert à rien. Quel enfer. Ah, peut-être celui-là. Putain, le chat qui a redescendu. Donc, quand t'écris mon clavier. Ah oui, alors ça par contre sur téléphone c'est vraiment très relou, c'est que tu vois pas ce que t'écris ou tu vois pas le chat quand t'es en train d'écrire. C'est un peu de la merde ça j'avoue. Du coup tu pourrais un peu améliorer ça, malheureusement. Je sais pas s'ils le feront un jour ou pas. Mais oui c'est vrai que voilà. Ah aussi, attendez. Est-ce que je peux vous le montrer? J'ai reçu... Ah. J'ai reçu le premier numéro de la collection Hachette. De comics X-Men. Donc c'est la première fois que je m'abonne à une collection Hachette. Bon c'est le numéro 43 parce qu'ils les mettent pas dans l'ordre. Mais du coup c'est cool. Bon celui-là il est à 4€. Donc ça va en fait vu le bouquin que c'est. Enfin vu la taille ça reste pas cher. Mais en vrai l'édition est plutôt propre, c'est plutôt cool. Donc comme ça je pourrais découvrir un peu le monde des X-Men parce que je connais vraiment pas du tout. Comment on fait pour remonter le chat celui vers le bas? Ah oui, ok. Ok, on a toujours rien. Du coup, tous les mois, je vais recevoir des comics à la maison. Ah! Bah. Comment ça? Ah non, c'est juste que c'est pas loin. Ah, ok, d'accord. En fait, ça nous permet de savoir si... que proche de nous va y avoir un truc. Ok, donc ça suit encore à côté. Tu es vert de jalousie pour les foutus. Ouais, je l'ai payé. Bon, 4 balles, ça va. Après, le prochain est à 8, je crois. 8 ou 9. Et les suivants seront à 13. Mais 13 pour un bouquin de ce format-là, pour un bouquin, enfin des comics Marvel en France, ce format-là, normalement,
édité par Panini, genre le truc classique, c'est 18€. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Ah oui, voilà, Cardmon. Putain, oui, j'avais oublié du coup que ça lançait des combats. Il peut y avoir... Ah, qu'un seul arbre à chaque fois dans chaque zone, ok, ok. Putain, on le one-shot même pas. Il va nous casser la gueule. Ok, du coup, dans chaque zone, on peut avoir un paquet de cartes. Bon, ça, pour le coup, là, on le fait une fois pour rigoler, mais je suis pas sûr d'avoir spécialement envie de farmer des paquets de cartes. Je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de jouer aux cartes. Arc-en-ciel en 5 messages, t'as 12 couleurs différentes. Morgane teste les nouvelles couleurs. Ok, donc Cardmon a été battu. On gagne un peu d'XP, ça a l'air pas trop déconnant. Ah, d'ailleurs, Cubimon a pris une nouvelle magie. Très très bien. 70 bits et un booster 1B. Ok, parfait. Du coup, il y a des zones plus faciles à farmer. Ah bah oui, forcément, s'il y a des zones avec peu d'arbres, du coup, ça va pouvoir se faire facilement. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on peut retourner à Suka City pour essayer de trouver Etemon. C'est quand même pas mal. Oh! Bon. Là, en même temps, là c'est donné. Ce serait dommage de s'en empêcher. Et les Cardmon XP très bien, okay, ok. On a débloqué du coup Thunder Gemini, je crois. Créer deux boules de tonnerre et fait feu. Ah oui, d'accord, donc c'est la version améliorée de Thunderbolt. Ok, bah très bien. Faisons cela. Ça me permet juste de voir les messages. Je comprends pas là pour le coup ce que tu dis, Morgane. Peut-être appuyer sur ton bouton genre de retour comme si tu voulais quitter le live, peut-être. Ça va genre effacer ton truc. Ou sinon faudrait que tu fermes le stream et que tu le réouvres, mais ce serait vite relou. Ok, donc là du coup plus besoin de taper dans les arbres. Parce qu'on a déjà trouvé Cardmon. Héhé. Bon, on a retrouvé Cizayox. Ça on a l'habitude. On l'affronte très régulièrement. Ça fait revenir au niveau du chat. Ouais, non, mais vraiment, Twitch sur téléphone, je t'avoue que je comprends pas spécialement non plus. Le truc qui est un peu relou, c'est quand tu regardes un replay sur Twitch, enfin, un replay Twitch sur téléphone, si jamais tu scrolles dans le chat, et ben le défilement automatique, enfin, genre même le chat ne sera plus mis à jour au fur et à mesure de la vidéo. Ce qui est très relou. Et je sais pas si ça va être corrigé un jour ou pas. Est-ce que tu veux que tu me spoil le dernier élément de la canne à pêche? Bon, si c'est impossible à deviner, pour le coup, je veux bien. Oui, non, si, en vrai, je veux bien. Si jamais c'est vraiment le truc qu'on trouvera jamais ou vraiment au pif... ouais, je veux bien. J'accepte le spoil. Ça va être un paquet de cartes. Ouais, bah oui. Ah, le chat devrait aller chez le vétérinaire. C'est une toile d'araignée qui est lootée au pif par les deux Cubimon. Ah ! Ah, qui du coup est le fil. Attends, mais on en a pas déjà une toile d'araignée ? Ah non, on a eu des boules TNT. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bah, potentiellement, je farmerais ça de mon côté. Enfin, à moins qu'on retrouve des deux Cubimon à un endroit. Mais je pense pas qu'on ira les farmer là aujourd'hui, mais ok, ok, merci. Mais du coup, ouais, non, déjà qu'on a passé la zone, je suis pas sûr qu'on en re-rencontre, donc c'est pas garanti qu'on en aurait récupéré à un moment ou un autre. J'ai fait 2 heures de conduite, et ma prochaine heure de conduite. Oh, trop bien, ça s'est passé comment du coup? Je me rends pas compte du coup, en fait, tes premières heures de conduite, on te fait faire quoi? C'est genre sur un terrain, ou genre sur un parking? Ou c'est juste la formation, on va dire, technique, où on te montre un peu ce qu'il y a sous le capot et tout ça. Putain, mais bon, d'accord, si les Cardmon sont donnés comme ça, peut-être qu'on va, on va essayer de les récupérer. On se fera une petite vidéo pack opening, là. Ah, oh, j'ai en farmé 500 de mon côté. Et on va se faire un petit stream pack opening, ça va être incroyable. Pas du tout. C'est très bien passé pour l'instant, on roule sur la route, mais t'avais que le contrôle du volant. Ah, ok, ok. Ah mais tu roules directement sur une route avec des gens. Ok, ok. Et je sais plus, t'es passé par une auto-école ou par un truc indépendant. Oh, il a fui.
Oh, le petit bâtard. On peut le récupérer? Ah bah non, il a disparu. Putain, quel enfer. Mais par une auto-école ou par un truc indépendant, genre par une appli ou un truc comme ça? Contre à cause du stress, j'étais trispé. Ouais, tu m'étonnes. Bah, j'imagine que... Oh! On l'a eu vraiment au pif, celui-là. J'ai... Enfin, ouais. Ah non, en fait, c'était pas du tout Cardman. Enfin, j'imagine que, ouais, tu dois pas spécialement être rassuré, enfin... Je sais pas, moi, ça m'angoisse un peu, le fait de... Enfin, du coup, j'ai jamais conduit, j'ai pas du tout passé mon code ou quoi. Et vraiment, le fait de conduire, ça... Enfin, je sais pas, je m'imagine pas, je pense que ça me ferait flipper, en fait. Le fait de te dire qu'à la moindre erreur, tu peux te tuer, tu peux tuer des gens, je sais pas. Ça me fait bizarre. Ou tu peux te faire tuer par quelqu'un d'autre, enfin, bon, voilà. C'est par l'auto-école, ok. En général, le moniteur prend les pédales, il te laisse le volant, puis il t'amène dans un coin tranquille pour apprendre le démarrage. Ah, ok. Bah, tu vois, même je pensais que tout le début se faisait genre pas, bon, pas sur un terrain vague non plus, mais sur une zone, ouais, comme un parking où tu peux, on va dire, t'as la place entre guillemets pour faire des conneries et où tu peux apprendre justement le démarrage, changer les vitesses, faire des virages, faire des trucs comme ça. Donc, du coup, Etemon, est-ce qu'il est toujours au même endroit? Mais je sais pas si c'est une peur qui est commune, enfin qui est courante ou pas. Mais je sais pas. Alors que pour le coup, genre être en voiture avec quelqu'un, je me en fait, oui, c'est ça, c'est là où c'est un peu con, c'est que je me pose même pas la question. C'est que oui, je fais confiance. Enfin oui, à moins de vraiment avoir des comportements irresponsables, mais j'ai jamais été dans cette situation. Mais j'ai pas peur à ce niveau-là. Mais je sais pas, le fait de moi me projeter dans ce truc-là, je sais pas, ça m'inquiète un peu. Hé, hey, j'ai la pêche aujourd'hui. Petit bâtard, Etemon. Salut, Etemon. J'ai un truc à te demander. Bien sûr, quoi, je te dirai tout ce que je sais. C'est pas toi qui aurais le masque de Sipikmon. Je sais pas de quoi tu parles. Ah. Il se barre. Hé, hey, attends. Mais il cache quelque chose. Non, c'est pas vraiment louche hein, comme manière de fonctionner. Le fait de se barrer comme ça... En général, le moniteur essaie de te rassurer pour les premières heures et s'adapte à ton caractère. Ok. Après, je sais pas, je sais pas. J'imagine pas, en fait, le truc. Enfin, j'imagine pas, En vrai, j'ai jamais eu besoin de permis de conduire, donc j'avoue que... Je me suis jamais spécialement posé la question. C'est vrai que potentiellement, un jour, ça peut être bien, mais... Tant que je peux m'en passer... ça coûte de l'argent et tout. Payer une... Enfin ouais, passer le permis, payer une assurance, acheter une voiture. Où est-ce qu'il va être caché? Le démarrage et s'arrêter, les vitesses, c'était il y a quelques mois de cela pour savoir combien d'heures de conduite il me faut. T'as un peu oublié comment faire. Ah oui. Ouais, j'imagine qu'au début... oui, c'est... Oui, tu sais pas. Enfin, oui, tu. Vu qu'il faut que tu penses à beaucoup de trucs à la fois. Ouais, c'est ça aussi, le fait de devoir penser à énormément de trucs en même temps. Bon, après, ça devient un réflexe, j'imagine. Mais tu. Le fait de confondre, le fait d'oublier, de checker un truc, de checker un rétroviseur ou quoi. Ouais, je comprends. Ah. Petit bâtard. Quelle plaie, tu veux pas t'en aller? Bon, d'accord, je vais te le rendre, ok? Voilà, j'ai rendu le masque de Sepik. Ah, c'est tout? Quoi, j'ai rien fait de mal. Alors, on va vérifier, est-ce que c'est bien le masque de Sepik qui nous a filé et pas le masque de S3 Peak, par exemple? À la manière de la carte 8-le. Masque Sepik, ouais, ça a l'air d'être bon. Moi, du coup, YouTube, je vais vous faire des bisous et on va se dire à très bientôt pour la suite. C'était Solinder, bye bye.